Il peut imiter n'importe quel chef d'État, artiste, sportif. Et justement, là, aujourd'hui, il s'est demandé comment se passe le confinement pour nos chers chefs d'État. Allez, venez tous ensemble, on va se glisser dans la peau de Madame Adamo. Alors, franchement, derrière cette histoire de confinement, je suis fatigué. Hein? J'ai fini de signer tous les dossiers qui étaient présents. Bon, voilà encore, je ne peux même plus voyager. Hein? Et moi, je bouge. Je suis habitué à bouger. Voilà. Franchement. Alors, et puis, ce qui me fait le plus peur, c'est que l'argent sort, mais ça n'entre pas. L'argent ne rentre pas du tout. Ben Blanche Colombe aussi, elle est confinée quelque part là-bas. On ne peut même pas se voir. Attends. Je vais voir avec qui échanger un peu, faire passer le temps. Tiens, Dalice, lui, c'est bon. Voilà, le sphère important pour le militaire que je suis. Voilà, faut garder la forme. Le capitaine Daris doit être toujours. Donc il m'appelle là. Le président Alassane Ouattara de la Côte d'Ivoire. Mais ce vieux là, il m'appelle jamais. Voilà. Allô? Allô? Dalice, alors comment tu vas, jeune frère? Ouais, je me porte bien. Donc, ben, écoute, Dalice, juste voir comment tu passes ton confinement. Non, mais le grand frère, moi je pense que ça c'est la question qu'il ne faut pas poser. Moi je suis confiné il y a longtemps. Voilà. Depuis 2010, je suis confiné ici à Ouagadougou. Et vous osez me poser des questions machiavéliques là. Mais ça c'est le comportement démagogique. Mais il faut arrêter ça. Dalice, doucement. Ne crie pas, s'il te plaît. Ne me demandez pas de ne pas crier, je vais crier. C'est ma manière de parler. Voilà, j'ai perdu ma maman. Et vous-même, vous n'êtes pas capable de voir avec le président Alpha Condé. Je ne vous demande pas de partir à Conakry. Même à laver, ça me suffit là. Voilà, il faut arrêter ça. Dalice, ne crie pas sur moi, s'il te plaît. C'est pas moi, c'est Alpha Condé. J'ai fait l'allemand et je parle l'allemand. Voilà. Dadis, écoute-moi. Il pestisse, il m'explique de rien. Voilà ça. Voilà, il faut arrêter ça. D'accord, ça va. Allô? Allô? Il m'a raccroché au nez, le vieillard là. Voilà. Mais si vous n'arrêtez pas ça, ne pensez pas que vous êtes vieux. Je vais vous rentrer là-dedans. Il veut m'exploser mes tympans. Dalice, attends, je vais appeler Ibeka, là c'est mieux. C'est Alassane. Allô? Allô? Oui, Alassane. Ibrahim Boubacar Keïta, le président du Mali. Alors, comment tu vas, mon frère? Alhamdulillah, Oui, juste voir comment tu passes ton confinement. Allô? Hein? Allô, Ibeka? Vous n'avez pas? Ouais, je crois qu'il y a un problème de réseau. Parce que je n'entends rien. C'est sur les djihadistes là. Ils ont brûlé les réseaux pour ne pas écouter, j'ai pu s'appeler. D'accord. Mais écoute, je pense que voilà, on va se rappeler. Merci bien. Allez, à très bientôt. Merci beaucoup, grand frère. Allez, Marie. Amin, amin, amin. Merci bien. Bravo, merci. Voilà. Il est fort.
On n'entend rien dans tout ce qu'elle est en train de dire. Bravo. Tu réponds, c'est pas mauvais.